Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Mécanique Sportive, je suis Steve Mselem, le responsable marketing de la marque Honda en France. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui sur mon stand pour vous présenter trois anniversaires. Suivez-moi. 1969, souvenez-vous, moi j'étais pas né, mais c'était le premier pas sur la Lune, c'était également le premier vol du Concorde, mais surtout l'arrivée de cette Honda CB750 Four qui fête cette année au Rétromobile ses 50 ans. Deuxième anniversaire sur ce stand Honda, celui de la NSX. Cette voiture est sortie en 1989, alors pas celle qui se trouve à côté de moi, mais la NSX a été présentée en 89 au Salon de Chicago. Et cette année, on fête ses 30 ans sur le stand Honda. Et pour fêter ses 30 ans dignement, nous présentons la NSX GT3 qui roulera au championnat GT 2019. Cette voiture n'a conservé que de la version de série le moteur V6 3.5 litres qui développe environ 600 chevaux sur un châssis entièrement en fibre de carbone, ce qui lui permet d'afficher un poids sur la balance de 1240 kg, plus léger qu'une Civic Type R. Troisième et dernier anniversaire ici sur ce stand Honda du Rétromobile 2019, le Roadster Honda S2000 qui a été commercialisé par Honda en 1999, il fête donc cette année ses 20 ans. Elle avait été présentée en 1998, le concept SSM. La S2000 s'est écoulée un peu plus de 112 000 exemplaires dans le monde, on va dire un peu plus de 610 en France. Cet exemplaire est en parfait état de conservation, entièrement d'origine. Et les ingénieurs avaient prévu à l'époque quelque chose de très sympa, et là je vous invite à me suivre, le moteur de la Honda S2000, un 2 litres atmosphérique qui développait 240 chevaux, 120 chevaux litres. Ce moteur donc qui a été commercialisé sur la Honda S2000 pendant 10 ans, de 1999 à 2009.